Attention, mesdames et messieurs, est-ce que vous êtes chauds ce soir? Vous l'avez réclamé, veuillez lui offrir un tonnerre d'applaudissements! Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, voici... Oui, c'est bien moi, Jolat et Chebest. Et oui, souvenez-vous, la dernière fois, on avait fait pas mal de soupe à l'oignon et également de la soupe à la tomate. Mais qu'allons-nous faire cette fois-ci? Aujourd'hui, nous allons élaborer de nouvelles recettes avec Jolat et Chebest. Vous inquiétez pas, c'est moi qui a tout appris à Philippe. Allez, allez, Cyril, j'espère que t'es prêt. Ouh, mais regardez donc ce qu'il y a sur le bateau. Ne serait-ce pas des Marie-Madeleine? Alors, non, merde, pas des champignons cette fois. Pour l'instant, c'est des oignons. Allez, vas-y, tu prends le relais. Et cette fois-ci, je vais vous montrer qu'on peut faire de la bonne soupe à l'oignon avec mon collègue. Quand on est bien coordonné, bien entendu. Regardez qui c'est qui nous guette sur le côté. C'est bien elle est venue. Eh ouais, c'est Marie-Madeleine, mon vieux. Non, pas toi, vas-y. Fais péter la marmite. Let's go. Oignon, alors cette fois-ci, ce sera plus la 12 qui aura très faim, ce sera la 14. Merde, mais mets là-dedans, putain. C'est chaud. Fais péter les oignons. Ça, tac. Non, pas la tomate, les oignons. Voilà. Allez, les oignons, Philippe. Viens m'aider un petit peu. Qu'est-ce qu'il est feignant, mon vieux Philippe. Il sait rien faire. T'es bon qu'à faire la plonge, toi, de toute façon. Alors, non, vas-y, continue à machiner. Moi, je vais mettre les oignons. Elle est où, la gamelle? Elle est là. Vas-y, fais péter. Philippe, mets donc ça sur le feu un petit peu. Je te fais confiance. J'y vais. Ça marche, Cyril. Et tu deviens complètement schizophrène avec ce jeu, c'est un truc de malade. Donne-moi la marmite. Non, la marmite, donne-moi ça. Voilà. Vas-y, viens m'aider. Eh, il est vachement chaud ce niveau, franchement. Il est pas comme l'autre, hein. Attendez, je vais aller chercher des oignons. Vite. Oh merde, putain, ça cuit déjà, ça cuit, ça part pour la 14 cette fois-ci. Eh ouais, la dernière fois vous avez dit, ah dis donc la 12, qu'est-ce qu'elle avait faim? Bah ouais, elle avait faim, mon vieux. Bah qu'est-ce que tu veux, quand on me commande des trucs, j'envoie moi. Fais péter les champignons, vas-y, un champignon ici, ok. Allez, vas-y, coordonnées, voilà, impeccable. Allez Philippe, allez. Merde, il a fini de couper l'autre. Donne-moi, putain, je suis déjà perdu. Ok, champignons, ça marche. Oups, ça, mon vieux, alors. Vas-y, je vais rechercher 2-3 champignons. On pose sur la planche et on coupe ça dans la marmite. Oh putain, mais c'est qu'il y a des grosses vagues carrément, mon vieux. Ouh, c'est la marée montante, mon vieux. Ouh la vache, les vagues. Allez, donne-moi ça. On envoie sur le feu. Ok, on envoie, Philippe, une soupe d'oignon pour la 14. C'est parti, ça part. Je t'en sors un autre. Je t'aide à le couper d'ailleurs. Bah, bien sûr, tu m'aides à le couper, encore heureux. Merde, ça chauffe là-bas. Oh putain, champignons. J'envoie une assiette. Vas-y, je la mets de côté. Prends-la de l'autre côté. Ça marche. J'envoie pour la 14 la soupe de champignons. Pour la 15, une soupe d'oignon. J'envoie. Non. Allez, vas-y, coupe. C'est parti, mon vieux. Ouh, y a pas beaucoup d'organisation là, mon vieux. Regarde-le. Il est déjà fatigué là, Philippe. Allez, va chercher des tomates. J'y vais tout de suite. Vas-y. Pour l'instant, je vais couper avec lui. Non. Ah bah si, quoi que tu me diras, c'est pas mal comme ça. Voilà. J'envoie. Allez, c'est parti. Merde, j'ai gêné mon coéquipier en cuisine. Ouh. Oup. La soupe d'oignon. Alors, qui c'est qui s'occupe de ça? Vas-y, prends le relais. Qui c'est qui a demandé une soupe d'oignon? C'est la 13. La soupe d'oignon. Impeccable. On envoie soupe de tomate. C'est parti, on prend de la tomate. Putain, mais Philippe, bouge un peu, Philippe, là. Qu'est-ce qu'il est lent, mon vieux. Philippe, viens m'aider à couper. Allez. Faut le booster, Philippe. Faut y mettre quelques coups de pied au cul, sinon il avance pas. Moi, je vous le dis direct. J'envoie la marmite sur le feu. C'est parti. On fait une tomate. On a besoin d'une tomate. Cyril, on peut renvoyer une assiette. Envoie. Putain, qui c'est qui s'occupe? Donne-moi ça. Vas-y, c'est cuit? Non, c'est pas. On n'était pas bien organisé avec Philippe. On manquait d'organisation. Bah ouais, une étoile. Tu m'étonnes. Philippe, réveille-toi là. Une étoile là. C'est pas bon ça. C'est pas bon pour les affaires ça. Et moi je crois que plus on va avancer, plus ça va être un truc de malade. Hein. Moi s'il faut mettre des coups de pied au cul à Philippe, je le ferai. S'il faut ça pour le réveiller, parce que... Lui les oignons, mon vieux, il les épluche, mais tu vois, c'est... Il a pas de conviction. Comment faire un hamburger? Simple. Nouvelle recette. Ah ouais? Ok Philippe, j'espère que tu t'y connais en hamburger. T'inquiète, ça marche. On a les poils. Je te sors tous les ingrédients qu'il faut. Salade, pain burger. Steak, ok. Tomate, tu prends le relais. Ça marche, je prends le relais. J'envoie ça. Ils sont où les planches? Ah bah ils sont là, bah fallait le dire, mon vieux. La tomate, donne-moi la tomate. Attends, la salade, on la coupe? Bah bien sûr qu'on la coupe, la salade. Allez, vas-y. C'est pour la 14, ils attendent les clients derrière. Ça marche, j'envoie. Ils sont où les assiettes? Attendez, je vais mettre ça à la poêle. Mais non, mais qu'est-ce que je fais? Le steak à la poêle. Voyons, Philippe. Pour faire un bon burger. Comment que tu mets le steak à la poêle? Bah faut le couper avant. Ah bah bien sûr faut le couper. Alors ok, j'envoie les ingrédients ici. Ça, tomate, c'est parfait. Tomate salade, c'est parfait. Le steak, donne-moi le steak, Philippe. Putain, qu'est-ce qu'il est lent, mon vieux. Voilà, envoie, sors-moi des steaks, sors des steaks. Je t'en sors, tac, mets sur la planche. Philippe, réveille-toi, Philippe. Philippe, réveille-toi là. Alors, putain, qu'est-ce qu'il est lent, mon dieu. Mais faites quelque chose, mon dieu.
Ou putain, le steak. Saignant, on a dit saignant pour la 14. Pas de problème, ça marche. Voilà, on envoie ça dans les assiettes. Allez, fais péter les steaks hachés là. Vas-y, envoie ça dans les poils. Hop, un. Le deuxième. Ah, il y a un petit peu plus d'organisation pour les burgers, je trouve. C'est quand même pas trop mal. Salade. Qui c'est qui sort la salade là? Pain burger. Je m'occupe de la salade aussi l'autre côté. Voilà. Ça, c'est de l'organisation, c'est de la cuisine qu'on veut voir. C'est de la solidarité, c'est surtout ça qui est en cuisine. Allez, le steak, il est cuit. J'envoie dans les assiettes, ça marche. Celui-là, il est cuit, j'envoie, ok. Mais non, mais laisse le steak dedans, putain. Envoie dans les assiettes, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut un burger, ramène des pains burger. Ça marche, je l'ai, voilà un burger pour la 14. Ça marche, suivi, un burger pour la 15. J'envoie ça tout de suite, j'envoie. Voilà pour la 15, c'est parti. Allez, salade, envoie ça. Les assiettes là, qui c'est qui s'occupe de la plonge? Philippe, va t'occuper de la plonge un petit peu. Putain, c'est moi qui ai obligé de tout faire là-dedans. Elle est où la plonge? Merde, l'assiette. Vas-y, allez, en attendant, sors ce qu'il faut toi. Pain burger, salade, ok. Pain burger, j'envoie tout de suite ça. Je mets ça sur le feu. Allez, coupe-moi ça bien Philippe là, putain. Regarde ça mon vieux, comment il est pas organisé mon vieux, il est pas méthodique. Ah, oh, t'es pas un bon cuistot moi mon vieux, je te le dis. Merde, dégage, arrête putain, je suis perdu, ça y est. Aide-moi à couper le steak à côté là. Voilà, ça c'est parfait. Voilà, c'est ça qu'on veut, c'est de la méthode, c'est de l'entraide. Allez, ça, j'envoie là-bas le steak. Ok, ça c'est cuit, ça part. Putain, c'est pas vrai, les steaks. La plonge. Je fais tout là-dedans mon vieux. Allez, steak, ça part sur la poêle là-bas. Il nous faut des assiettes, aide-moi Philippe là. Vas-y, il nous faut deux steaks là, ça part pour la 14. Oh putain, c'est chaud. Donne-moi ça. Allez, y'a moyen d'envoyer encore un burger. Y'a moyen d'envoyer encore un burger. Tomate. Coupe-moi la tomate. Vas-y, pendant ce temps-là, je vais finir le burger. Qu'est-ce qu'il nous faut? Putain, ça... On n'a pas le temps, on va pas avoir le temps. Allez, envoie la tomate. C'est parti. Dernier burger qu'on peut envoyer. Il restait une petite seconde, il y avait moyen. On a quand même marqué une étoile. On a quand même marqué une étoile. Mais tu vois, c'est Philippe. Je le sens pas avec moi. Il est pas dans le move dans la cuisine, tu vois. D'habitude, il est... Tu vois? Il y va comme ça, Philippe, il y va à fond. Mais là, je le sens un petit peu débordé par tous les événements, tu vois. Là, il y a eu le steak, il y a eu la tomate, la salade, le pain burger. C'est peut-être un petit peu trop pour lui. Pour moi, easy. Ah, et nous avons gagné un nouveau chef, je crois que je vais le prendre. Ouais, je vais le prendre direct. On va l'appeler Robert, ça y va bien comme prénom. Allez, Robert, pour la 12. Déjà, tu me sors des oignons, ça marche. On va mettre ça sur la planche. Putain, ils sont où les planches? Oh là là, les planches, ils sont à l'opposé, mon vieux. Mais c'est fait exprès, ça, hein. Allez, vas-y, on coupe. Il en est où, lui? D'accord, il coupe encore, ça coupe. Lui, il va avoir fini en premier. Ça marche. Allez, vas-y, on met ça sur le côté. Je reprends un oignon et je coupe. Et je prends et je m'en vais l'autre côté. Merde, excuse-moi. C'est bon, il est OP là. Ils sont où les marmites? Putain, mon vieux, mais c'est quoi cette cuisine de merde? Mais bouge, Robert, mon vieux. Bouge un petit peu là. Tu vois pas que t'es dans le passage? Il est où le feu? Ah, ils sont là. Putain, c'est quoi cette cuisine? Ah, franchement, elle me plaît pas cette cuisine. Elle me plaît pas du tout. Sors-moi trois champignons. Ça marche. Je t'en mets un direct sur la planche là-bas. Ça marche. Je prends le relais ici. La soupe d'oignon. La soupe d'oignon. Oh putain. Ça passe. J'envoie la soupe d'oignon direct. C'est pour la 15. Ça part. La suite. Allez, je prends la suite. C'est parti. Il a fini avec les champignons, lui. Parfait. Vas-y, t'as fini avec ton champignon. Ok. Allez, tu prends la suite. Coupe-moi celui-là. Tu me coupes le dernier. En attendant, je vais le mettre sur le feu. Je commence à le précuire. Vas-y, Philippe, dépêche-toi là. Allez, le champignon là. T'en as pas pour 15 ans à couper un champignon, bordel de merde. Sors-moi 3 tomates. Je te les sors, Philippe, ça marche. Merde, la soupe d'oignon. Ah non, c'est les champignons, ceux-là. Les champignons, qui c'est qu'a demandé une soupe de champignons? C'est pour la 15. Ouh, mais qu'est-ce qu'elle a faim, la 15, mon vieux? Eh bah, dis donc. Tomate, t'en es où, Philippe? Ça marche, ici. Moi, je vais faire celle-là. Celle-là, on va la mettre dedans. Ici. Putain, la méthode, mon vieux. Moi, tu vois, je l'aime pas cette cuisine. Elle est vraiment pas méthodique pour bosser. Tu vois pas ce qui se passe de l'autre côté, en fait, c'est un peu... Allez, Philippe, donne-moi ça. On met ça sur le feu. On se manie un petit peu parce qu'il y a des clients qui attendent. La plonge. Putain, c'est toujours moi qui m'occupe de la plonge, hein. Il est où, l'évier? Il est là-bas. Allez, c'est moi qui m'occupe de la plonge. Vas-y. Merde. La soupe de tomate. Allez, j'envoie. Pour qui la soupe de tomate? C'est pour la 17. J'envoie. Prends pour la 17. Vas-y. On va renvoyer une soupe de tomate. Ça c'est parfait, j'envoie là-bas sur la planche à découper. Vas-y, je ressors une petite tomate. Philippe, envoie un petit peu là. Allez, tomate là-bas, donne-moi la tienne. Là, attaque, impeccable, regardez ça. Comment qu'on a de l'organisation avec Philippe là. C'est un truc de malade, putain, la plonge, elle est où? Elle est là-bas, ouais, je la connais pas encore bien. La cuisine, c'est normal, hein, je veux dire. Qu'est-ce qui est chaud, soupe de tomate? Pas de problème, je prends. Il me faut des assiettes propres. Donne-moi une assiette propre, oh bah excuse-moi mon vieux. J'ai foutu une tatane. Mais non, mais dégage avec la marmite. Allez, bouge, Philippe, là, putain, reste pas dans mes pattes, mon vieux. Sors-moi des oignons, là. Ça marche. Merde, putain, il reste plus que 20 secondes, déjà. Marmite. Voilà. Allez, hop, dégage, Philippe. J'ai pas le temps. Allez, il me reste 7 secondes.
J'aurais pas le temps d'envoyer une assiette. J'aurais pas le temps. J'aurais pas le temps, Philippe. T'as au moins le temps de laver une assiette, non? Putain. Ouais, mais franchement, hé, deux étoiles. Deux étoiles quand même. Franchement, elle est super chaude cette cuisine. Bon, écoutez, on va s'arrêter là. En tout cas, je suis plutôt content de Philippe pour cet épisode. Il a réussi à gérer son stress. J'ai quand même mis quelques coups de pied au cul dans les moments où il fallait. Ça, c'est normal. Je veux dire, tout cuistot mérite son coup de pied au cul. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un petit pouce bleu. Si vous voulez soutenir Philippe, vous pouvez la partager. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles cuissons. Ciao tout le monde. Et le four, c'était thermostat 8 en fait. Ouais, ça y est, je m'en souviens.